Salut à toi, seigneur de guerre, et bienvenue sur Creative War Games. Aujourd'hui, Top Player Podcast Chapter Approved 2022, on aborde les changements en points. C'est le podcast avec le salage et le dessalage de la méta. On va voir un petit peu ce que Games Workshop nous a réservé sur ces changements en points. Il y a pas mal de choses à dire. On va découper ce podcast en trois parties. Partie Imperium, partie Chaos et enfin partie Xenos. Pour l'occasion, je reçois encore des invités d'une grande qualité, à savoir Aimé et Napo. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Aimé, comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien. Voilà, rien de spécial. Je suis contente d'être là, de participer à l'activité de la chaîne. Donc c'est très cool. C'est top. Ok, on te présente plus, hein, évidemment, Aimé. Et avec nous, on a aussi Napo qui intervient pour... Pour la seconde fois, modulo l'ordre dans lequel on va publier les podcasts, mais Napo a déjà fait la review du codex, la review post-CA du codex GK. Napo, comment vas-tu? Eh bien, ma foi, ça va très très bien. Très content d'être là, une fois encore, ou pas, modulo l'ordre des sorties. Ok, alors écoutez, sans plus attendre, alors il faut savoir que quand ce podcast-là sort, vous aurez déjà eu celui sur les secondaires, sur les scénarios secondaires, nouveaux scénarios, etc., qui aura été réalisé avec Aimé. Et donc là, c'est la suite logique, hein, d'aborder les changements en points, à savoir qu'on va quand même aborder d'une façon générique ces changements en points, et ils vont être après repris dans des reviews bien spécifiques pour chaque codex afin de permettre à tous nos abonnés et à tous les joueurs de se réorienter un petit peu plus facilement sur leur utilisation de leur faction préférée. On va commencer par l'Imperium, et si on commence par l'Imperium, évidemment, mais on commence par... L'espèce marine. Yes. Alors, au niveau des espèces marines, globalement, on va diviser en deux. On va parler d'espèces marines au global et ensuite on rentrera plus spécifiquement dans les DA, les BA et les Space Wolves. Au niveau du Space Marine, ce qu'on observe, c'est qu'il y a eu un up de 10 points, de 10-20 points sur les Dreadnoughts. Ça concerne les Dreadnoughts Redemptor, qui était quand même une entrée visible assez fortement dans la plupart des builds SM, parce qu'on a quelque chose de très polyvalent, qui fait à la fois un petit peu de la statue, un peu d'anti-char, qui close correctement corps à corps, qui profite d'une mécanique de moins 1 dégâts. Moi, ce que j'observe, c'est qu'on voit quand même de plus en plus de dread dans les listes Black Templar pour profiter de l'invue à 5, qui n'était pas forcément hyper accessible initialement. Donc moi j'estime que pour le Redemptor c'est un up un petit peu normal. Pour ce qui est du Contemptor, ça arrive peut-être un petit peu tardivement, parce que le Contemptor se plaçait très bien dans une méta un petit peu Drukhari MSU, peut-être un peu moins dans une méta qui se veut de plus en plus véhiculée avec des moins 1 dégâts ou des armures basses. On va voir comment ça évolue en 2022. C'est vrai qu'il y a le taux qui arrive, il y a le QG Nestealer. Je pense que clairement le Contemptor peut faire très très mal au QG Nestealer. Voilà, donc en tout cas des ups attendus de par la popularité de certaines entrées, notamment de ces deux Dreadnoughts. Ensuite, on a un up sur le Chaplain à moto. Bon, le Chaplain à moto, c'était l'unité qu'on voyait quasiment dans toutes les listes SM. Il prend à nouveau 10 points. Je trouve que c'est surtout structurant pour les Black Templars qui jouent un Chaplain parfois 2. Eux, ils prendront deux fois le up. Maintenant, ils sont particulièrement bons en Black Templar, donc je trouve pas que ce soit particulièrement volé. On rappelle qu'en Black Templar, il y a un combo qui permet de réduire tous les dégâts à 1, pas 2, 1, à 1, ce qui veut dire qu'un dégât, un tir de fuseur ou de canon Raigun fera dégâts à 1. Ça peut être un petit peu frustrant, en plus d'avoir une invue à 4. Voilà, après on va accélérer un petit peu. Il y a des changements sur les châssis Storm Speeder et Gladiator. C'est des ups qui sont, enfin des baisses en points qui sont bonnes à prendre, qui sont bienvenues. Maintenant, je ne pense pas que ça rendra ces unités impactantes, ou en tout cas on les verra davantage, pour une raison simple, c'est que ces figurines-là n'ont pas de mécanique de corps, et donc leur létalité est hasardeuse, en plus d'avoir des dégressifs, des choses comme ça. Voilà, c'est un peu le problème structurant des véhicules dans cette V9, et malheureusement, on trouvera probablement mieux encore. Je pense qu'on peut peut-être revoir des Storm Speeder en DA pour profiter de l'invue,
et peut-être des gladiators en Iron Hand, de manière à claquer tous les tours la doctrine d'Eva sur ce véhicule pour lui permettre de relancer les 1. Voilà. Pourquoi pas, peut-être en Salamanders, la variante Gladiator avec les fuseurs. Mais bon, je vois pas trop d'intérêt de préférer ça à des Eradicators en Salamanders. Voilà. Voilà en gros pour le SM standard. Je pense que ça va pas changer grand-chose. Ça va rester le codex qu'on a connu. En revanche, ce qu'il y a à dire, c'est que c'est compliqué d'équilibrer un codex SM qui a what milliards d'entrées, parce qu'en fait, ces entrées sont perfectibles de par les suppléments qu'on joue. Pour donner un exemple très simple, en gros, vous jouez des vétérans White Scar, des vétérans Vanguard en White Scar, ils sont plus impactants que si vous jouez ces mêmes vétérans en Imperial Fist, par exemple. Donc, c'est toujours compliqué, voilà, d'équilibrer un codex aussi riche avec autant de variantes. Je pense que c'est aussi pour ça que Game Workshop est un petit peu frileux sur des changements. On va voir que sur les suppléments un peu plus autonomes, le DA, le BA, ils ont baissé pas mal d'unités un peu emblématiques. On parle à la Thunder Wolf Cavalerie, aux avions DA, aux Black Knight, aux unités Compagnie de la Mort. Voilà, moi je trouve que c'est bien d'avoir rendu ces unités un peu plus abordables, parce que quand on joue Space Wolf, bah c'est cool de jouer des figurines un peu emblématiques du Space Wolf, et même chose pour les autres chapitres. Voilà, on a un alignement des gardes-loups au niveau des Space Wolf sur les vétérans. Je trouve ça un peu curieux, parce qu'il faut savoir que les gardes-loups ne peuvent pas se splitter, et donc ces 2 points en moins qu'ils avaient, on va dire, c'était le coût qu'on payait pas pour l'adaptabilité de split, qui est quand même une option assez forte pour pouvoir, bah, par exemple, un petit peu piéger son adversaire. T'as combien de pauses? Bah, j'en ai 10. Ah, bah, moi, j'en ai 9. Ok, et hop, en fait, tu splits toutes tes escouades de vétérans, et du coup, t'as plus de pauses qui t'offrent une adaptabilité sur le déploiement. Ou en fonction des match-ups, si tu as besoin de garder des escouades de 10 pour gérer des gros trades. Voilà, c'est une adaptabilité qu'ils avaient, qu'aujourd'hui ils ont perdu. Ils coûtent le même prix pour une option en moins. Bon, c'est curieux. Il y a un up des Talon Master qui est logique, hein, parce que c'est quand même une entrée. On a pu le voir sur ton rapport de bataille avec Poulki, qui t'ont frisé les moustaches. Effectivement, ouais. Talon Master, ça c'est quand même ultra violent. Voilà, et globalement, les BA, la Dead Company baisse. Moi, je l'explique plutôt par le fait que, si je me souviens bien, la Dead Company ne fait pas d'action. Et comme on l'a vu, les scénarios vont demander pas mal d'action. Et donc, le fait que ces unités ne puissent plus en faire, ou en tout cas, que les actions deviennent plus structurantes, ça explique, je pense, leur baisse légère de coût. Voilà, en gros, moi, ce que j'ai retenu sur le SM et assimilé. Ok. Je pense qu'on va rester dans le même tier list pour ces. Je vois pas de up démentiel. Peut-être que le DA va peut-être obtenir des buffs au travers de changements de build en partant plus sur du mécanisé. Mais je pense que les combos à base de moto seront probablement un peu au-dessus. Voilà, en tout cas. Napo, t'en penses quoi toi de ces changements en points sur toutes les factions Space Marine et Space Marine-like? Ben, je pense qu'en grande partie, elles sont assez méritées. Hein. Les entrées comme le Chaplain ou les Dreadnought étaient spammées, donc c'est normal qu'elles prennent en point. Après, pour ce qui est des Storm Speeder et des différents buffs, je les trouve assez anecdotiques parce que je pense pas que ce soit une justification suffisante pour les sortir. Je pense notamment aux différentes variantes du Gladiator. Je sais pas si le Gladiator va être joué malgré les différents buffs qu'on a eu. C'est cool de voir qu'ils s'occupent aussi des BA. Qui souffre en tout cas sur WTC d'Animalite qui est catastrophique. C'est toujours sympathique d'avoir 2 points de moins sur la Death Company, qui est une unité qui est plutôt sympathique et emblématique. Après, pour ce qui est du reste, je pense que c'est relativement mérité et équilibré. Ce sont de bons changements dans leur globalité. Les Centurions Devastator aussi, c'est assez anecdotique, mais moins 15 points par modèle, c'est quand même pas dégueu. Sachant qu'ils peuvent Ouais. faire certains trucs en BT, c'est Après, eux, ils vont pareil, ils vont avoir le souci de pas être corps. C'est vrai que c'est des unités. Est-ce qu'on préférera des centurions plutôt que des Terminators qui, eux, sont corps? Je Voilà. pense En pas. tout cas, c'est des baisses qui sont bienvenues dans le cadre d'unités qu'on ne voit pas. Voilà. Ouais. Moi, je quand j'aborde ces changements en points, je mets toujours en perspective
le gain potentiel, parce que effectivement se dire on va perdre 15 points sur une figurine de Gladiator Lancer, bon ben concrètement avec 15 points dans un Codex Space Marine, on fait pas grand-chose. C'est pas forcément la même approche quand on se dit on va perdre on va prendre 2 points sur un Interceptor, parce qu'en fait l'Interceptor on va en jouer 30, donc au final l'hélice prennent 60 points. Et pour moi je me positionne dans ces changements toujours avec un ratio de se dire est-ce que ça va vraiment apporter un changement qui va nous permettre soit de rentrer plus d'unités ou soit de forcément d'en sortir. Pour moi il y a deux questions qui enfin pour moi il y a deux unités dans ces baisses de points qui sur lesquelles je me pose des questions, c'est les Ravenwing Black Knights qui passent de 40 à 35 points. Mais sur lequel on doit toujours payer le marteau Corvus, ce qui est un petit peu dommage. Donc on a quand même une moto qui a un profil assez sympa à 35 points. Donc est-ce que ça va les rendre utilisables? Si oui, ça sera via spam. Parce que concrètement, si elles n'étaient pas jouées à 200 points, elles ne le seront pas pour autant à 260, à 175 points. L'économie de 25 points sur une unité n'en fera pas un truc, n'en fera pas une révolution en termes de gameplay. Et c'est pareil, j'ai la même question sur les Thunderwolf Cavalry. Qui pour le coup était dans les bulles qu'on avait pu voir où on avait les 3x5 cavaliers. Là pour le coup, on va gagner 75 points sur une liste. Donc là, ça pourrait peut-être être un petit peu plus intéressant. Mais j'essaie toujours de garder cette perspective-là, de se dire qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd réellement. Et c'est là où on se dit en fait, ouais, super, je joue un Gladiator Lancer, je vais économiser 15 points, que si ça n'a aucun sens. Et de toute façon, on voit bien hein, que Stormspeeder, Gladiator, etc., ce sont, et même les, on n'a pas parlé des avions Dark Angel, mais de toute façon, ce sont des entrées qui ne fonctionnent pas très bien avec la V9, très honnêtement. Difficile de les rentabiliser. Y a les Wolfen aussi en Space Wolf, je les ai pas abordés parce que j'ai centralisé ça avec les Thunderwolf Cavalry. C'est des unités qui sont entre guillemets un peu piégées, soit par leur rôle, je parle de la cavalerie par exemple qui traverse pas les murs et qui va être un peu gênée, ou les Wolfen qui eux sont pas corps et donc du coup qui sont un peu embêtés. Voilà, c'est des unités qui sont très violentes au close, mais on a des difficultés à les faire arriver. Voilà, ça reste quand même des trucs à base de 2 PV, ça se sature très bien aujourd'hui dans la méta. Voilà, moi je pense que ça va ravir les joueurs un peu fluff, qui vont vouloir jouer leurs unités un peu emblématiques, ils ont parfaitement raison. Après, en compétitif, où on cherche l'optimisation, je ne suis pas convaincu que ça passe le cap, en fait. Voilà. Yes. On continue sur l'Imperium? Ouais, les GK, bon, on va laisser Nadpo débriefer ça du coup. Écoute, en termes de modification pour le GK, c'est quand même assez significatif. Bon, c'est très clairement un nerf, mais je pense que c'est un nerf mérité d'une part, hein, parce que c'est des unités qu'on voyait partout qui étaient spammées à tort et à travers, et c'est bien de les nerf, c'est bien qu'ils prennent 10 points. Après, c'est pas un nerf à la truelle non plus. 10 points, ça veut dire que la plupart des listes GK vont prendre 85 points, 80 points. Donc, sachant que de toute façon on est limité maintenant du fait de ce CA à jouer que 4 châssis de Dreadnought au maximum, Ouais. c'est un nerf qui paraît plutôt honnête. On a aussi deux buffs anecdotiques qui sont les buffs respectivement des Terminator Brotherhood, donc c'est les Terminator troupes qui passent maintenant à 40 points par figue. Et on a le nerf du coup, le buff pardon, des paladins qui passe aussi à 45 points. Donc 45 points par figue, ça reste cher, c'est toujours le même problème. Je pense pas qu'ils seront plus joués. On a le nerf très 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 un peu plus colossal en tout cas que le reste, c'est l'interceptor qui prend 2 points quand même. 2 points, c'est pas rien, parce que ça veut dire que c'est cette unité-là qu'on spammait avant. Cette unité-là, du coup, un pack de 10 va nous coûter quand même 20 points de plus. C'est quand même Et pas quand rien. c'est joué en x3, forcément, c'est ce que disait Tourop, ça commence à chiffrer, quoi. Même si 2 points, c'est pas énorme, en fait, quand tu spammes l'unité x30, effectivement, tu tapes tout de suite dans les 60 points, finalement. Donc, 60 points, ouais. C'est quand même vachement, vachement handicapant de jouer avec tant de points de moins. Après, c'est compensé par le fait qu'on joue en grand maître de moins, donc on va pouvoir s'arranger au niveau de nos listes assez facilement pour toujours faire rentrer ce qu'on faisait en Ouais. avant. Mais c'est des changements qui sont mérités. Voilà, il n'y a pas de salage, je pense, sur cela. Je Non, je pense suis que c'est juste. d'accord. Ouais. Je pense que ce qui va se passer dans les listes, c'est qu'on va soit voir l'apparition du Librarian combo mortel, ou alors c'est un tech marine qui sautera et globalement ça restera la même base. Justement, comme moi, je suis assez d'accord avec Napo sur les Terminators, je m'interroge, est-ce que ces 2 points vont les rendre justifiés par rapport au strike?
J'ai pas l'impression. En plus, on est dans des secondaires d'action aujourd'hui. Donc, le GK qui peut FEP avec des troupes super OP de base, je veux dire, pour faire l'action, limite, moins c'est cher, mieux c'est. Il n'y a pas spécialement besoin d'avoir des Terminators, de payer un surcoût pour les Terminators. On a au final en fait ce Terminator qui apporte la résilience et les 3 PV, mais du coup pour ce même prix on a 2 Strike Squad. Donc est-ce que fondamentalement on va pas partir sur 2 Strike Squad plutôt qu'une escouade de Terminator? Ouais, si, probablement. Ouais. Ouais, de toute façon, plus de détails dans la review GK incessamment sous peu sur Creative Wargame, les amis, évidemment. On continue sur l'Imperium? Yes, avec les 6 stats. Donc les 6 stats, pareil, hein, c'est une armée qui s'est fait double nerfée de par la construction d'armée. En limité à une sous-faction, donc ça on l'a abordé dans la vidéo sur le chapter approve, mais avant on jouait pas mal de soupe, entre guillemets de soupe Sista, avec une partie corps à corps en rose de sang et une partie plus tir en cœur valeureux ou en sueur d'argent. Aujourd'hui il faudra faire des choix, donc ça va nécessairement impacter la macro de l'armée, donc ça va quand même être structurant, et en plus de ça, les unités qui étaient quasiment toutes jouées ont pris des nerfs. Morven Van a pris, les Celestian ont pris, les Dominion. Donc en fait, on se rend compte que quand on additionne tout ça, même constat que pour les unités qui sont spammées, même si c'est que 2 points par-ci, en fait, c'est les châssis, les Celestian par exemple, c'est souvent joué par 30. 2 points, ça chiffre. Hein. On rajoute ça à Morven Van, on rajoute ça à les Dominions qui étaient souvent joués avec les Rétributeurs pour avoir la projection T1. Via le mouvement pré-game, en fait, on se rend compte que l'armée va probablement jouer avec 1000 points de moins et une macro un peu plus difficile à mettre en place de par ce verrouillage d'ordre Sista. Il y a une baisse sur les châssis, sur l'immolator, sur l'exorciste. C'est toujours agréable, notamment sur l'exorciste qui était quand même joué pour obtenir ce tir hors los que n'avait pas de base la Sista. Donc en ça, c'est pas mal. Maintenant, je vois pas des bulles de Immolator se développer. Déjà parce que c'est des figurines qui maintenant vont donner 2 points de secondaire. Donc si on les spamme trop, il y a un moment, ça va finir par être un peu dangereux. Et en plus, ça reste des mécaniques d'armée. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de buff possible sur ce genre d'unité. Pourquoi pas des combos avec une escouade de Dominion pour arriver milieu de table tout de suite. Et puis, bon, peut-être. En tout cas, je pense que c'est très en dessous de ce qui se jouait à l'époque. Donc voilà, globalement un nerf pour la Sista qui prend un peu le même tarif que le GK, dans le sens où ses unités jouées prennent, et en plus sa liste d'armées structurée sur deux sous-factions se fait un petit peu taper sur les doigts. Donc voilà pour ça au niveau de la Sista. Ensuite, on a l'Astra Militarum. Alors là, l'Astra Militarum, c'est assez neutre finalement. Le Lehman Russ perd, mais la Manticore prend. Bon, on va dire que sur des armées aussi populeuses que l'Astra, je vois assez peu de changements. On va dire qu'il y a 2 Manticores qui sont joués en général. Bon, l'armée jouera avec 20 points de moins. Bon, 20 points de moins, c'est quoi? C'est une escouade de garde. Je pense que ça survivra. En même temps, l'Astra n'était pas un super codex, n'était pas super bien classé. Bon, je suis pas sûr qu'il y avait vraiment besoin d'un nerf sur la Manticore. C'est peut-être pas excessivement nécessaire, ouais, je suis d'accord. Après, on voit bien de manière générale que on va y revenir systématiquement, mais les factions V8 ont pas subi des changements importants. C'est vraiment une remasterisation des codex V9. Les coûts en points V8 restent quand même relativement anecdotiques. Ouais, en fait, en fin de compte, le up de l'Astra, c'est ce secondaire qu'ils ont gagné qui leur permet de jouer seul. En fait. Voilà. Exactement. Donc ça, c'est assez fort. On va parler en transition du coup d'Imperium à KO. On va parler des IKRK qui sont globalement les mêmes châssis, qui ont subi les mêmes nerfs. En fait, le Majera a pris en point et les Morwax en Lightning Clock et en... Alors, je ne sais plus, Volkit Bugler, je crois, l'autre arme. Globalement, c'était les armes qui étaient jouées. C'était des bulles assez fortes. On spammait ça. Bon, ça va nerfer un petit peu ces bulles-là. Je trouve personnellement que le Magera, son nerf est légitime. C'est quand même une entrée qui est quand même très, très au-dessus d'un Crusader. Donc, je trouve normal qu'elle prenne un petit peu à la différence d'un Crusader. Voilà. On a un codex qui, globalement, enfin, des codex dans le cadre du RKIK. Qui globalement prennent bien la table, ont une attrition très correcte. Bon, on se faisait pas mal taper par la méta véhicule. Est-ce que cette méta véhicule va pas changer?
Bon, l'arrivée du taux peut poser problème au IKRK, mais en tout cas, ce nerf de Majera et Morwax me semble pas déconnant, en tout cas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve pas ça volé, Bah, clairement. je pense que ce nerf arrive aussi sur un codex qu'on voyait plus trop non plus. Donc, bah certes, après, nerfer les Magiera, c'était probablement une bonne chose, mais est-ce que nerfer le reste, ça rend pas l'armée déjà qui était déjà pas incroyable non plus, hein, parce qu'elle est gérable par énormément de codex actuellement. Est-ce que ça rend pas cette armée qui était déjà un petit peu chancelante, ça l'enterre pas définitivement quelque part? Je sais pas, je pense pas que ça l'enterre. Au contraire, hein, le secondaire, pardon, IK le relance vraiment beaucoup. Bon, celui du RK est peut-être un peu plus bizarre, mais bon, en tout cas, on verra. Il y a toujours les builds à base de Warglaive, tout ça qui fonctionne. Hein, eux, ils sont toujours restés identiques. Hein, donc voilà, je pense que c'est un petit nerf qui. Voilà, une petite claque derrière les oreilles. Avant de faire la transition chaos, il y a une armée de l'Imperium qu'on n'a pas citée, c'est les Custodes qui ont. C'est vrai que c'est intéressant d'en parler avec Custo. Ouais. Qui ont subi. Alors là, cette petite contextualisation, il y a beaucoup de gens se sont, à juste titre, hein, se sont plaints d'acheter un codex et de 2 semaines après, de devoir acheter un supplément Chapter Approved pour avoir des coups en poing qui ne sont plus bons sur le codex. Alors il faut savoir que c'est le cas parce que le codex Custodes aurait dû arriver beaucoup plus tôt dans la version et que bah, le Games Workshop a eu pas mal de retard. Hein, et du coup, ce qui explique qu'il y ait des changements en points sur ce codex-là. Il n'y en a pas sur le Q-Gen Sealer, mais il y en a sur le codex Custodes et c'est des baisses de points de manière générale. Ouais. Mais moi, j'avoue, je l'ai pas mis en fait parce que pour moi, j'étais parti du principe que c'était hors chapter approved. Pour moi, c'est incompréhensible en fait. Le codex n'a pas été joué. Comment ils peuvent baisser le coût sans retour? Après, ils ont peut-être des retours via des playtesters. Moi, Moi, je trouve qu'il y a quand même des alors, choses moi, j'ai curieuses une théorie là-dedans. là-dessus. Moi, j'ai une théorie là-dessus. Je pense Ouais. que ils doivent avoir un système d'équilibrage des coûts en points qui doit être fait aussi sur un système d'Excel, c'est-à-dire avec des trucs un peu automatisés dans le sens où si on revalorise cette unité-là, je pense que par rapport au datasheet, il y a un système de valeurs, des valeurs de datasheet, endurance, force, sauvegarde, etc., etc. Je pense Ouais, qu'il y a une, comment dire, c'est possible. il y a une matrice de calcul. Et du coup, je pense que cette matrice de calcul pour certaines factions se fait automatiquement. C'est pour ça, par exemple, que pour enfin, l'Astra Militarum, tu vois, il n'y a rien qui a changé sur l'Astra Militarum sur les 2 dernières années. Pourtant, il y a Ouais. des évolutions de coûts en points. Alors, je pense qu'il y a peut-être des lignes qui rentrent en compte. Par exemple, l'up des tirs sans ligne de vue qui peut augmenter nativement le coût des Manticore, qui augmente le coût des Hive Guard et potentiellement baisse le coût des Plague Burst. Alors, je ne sais pas exactement comment ils font. Hein, je n'ai pas la recette Games Workshop. Mais je pense qu'il y a quand même une espèce de matrice qui calcule tout ça, et ce qui fait qu'on se retrouve avec bah, des coûts en points qui changent malgré les playtests. C'est une Ouais, théorie, c'est une théorie. j'avoue que je sais pas, mais je trouve qu'en tout cas les gains du custo et bah, on peut parler du Forge World, même si le Forge World c'est un peu sujet à caution parce qu'en fait on n'a pas les règles. Est-ce que les nouvelles règles apportées par le nouveau codex vont être portées sur Forge World? On parle des armoriques, ce genre de choses, mais clairement il y a des choses moi qui me Bah, je comprends on a un très bien. codex qui, même avant son buff, se positionne déjà comme suffisamment méta pour ne pas Exactement. forcément mériter cette baisse de coups en points. On a certaines choses qui, après, ne sont pas aberrantes, comme les Misericordia, mais pour ce qui est du reste, par exemple la baisse de Trajan, j'avoue que je suis dubitatif du fait Ah, les qu'ils motos fassent des aussi. 600 points qui étaient déjà bas à Ouais. 130 points. Putain, c'est rien, hein. Moi, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même un peu un argument commercial encore. Parce que là, franchement, il y a quand même des trucs. Les points des Misericordia, je veux dire, pourquoi, dans ce cas-là, pourquoi ils n'ont pas ajouté une attaque au profil, en fait. Même si c'est pas une attaque aussi violente qu'une hache, par exemple. Mais en fait, c'est une attaque gratuite que tu ne payes pas, en fait. Donc, il y a un moment, ça doit quand même coûter. Sinon, ça ne sert à rien de mettre l'option si tu ne la payes pas, en fait. Donc, je Bah, sais pas trop comment. c'est un changement qui est intéressant après, qui permet aussi de donner au custo ce volume d'attaque dont il va manquer parce que, y a beaucoup moins de filles aussi. Il y a aussi ça à considérer, mais c'est vrai que le faire
Gratuitement, c'est peut-être un peu beaucoup, mais honnêtement, après, c'est bénéfique pour lui. Ce qui est un peu dégueulasse à côté, par contre, dégueulasse, ce qui est un petit peu plus grave à côté, c'est quand même que des entrées qui se positionnent déjà comme méta, comme les motos, ont perdu Oui. 5 points, alors qu'avant, bon, bah, et par exemple aussi les Terminators qui, eux, perdent 5 points, les Tout à Alarus. fait. Ouais, ouais, Bah, ouais. c'est, voilà, Bon, quoi, moi, 60 points les points. j'ai regardé un petit peu, là, ça fait globalement un nerf de 80-85 points dans une armée à 2000 points. Sans C'est à compter les peu près. miséricordias, absolument, ouais, En c'est ça. plus, et en plus, on parle quand même de donc quand on parle qu'une armée baisse de 100 points, on se rapproche un peu de ce qui s'est passé pour le Necron. J'ai pas l'impression que le Codex Custo V9 soit du niveau du Necron V9. Donc je pense que ce baisse en points va augurer de belles choses pour le Custo. Je serais vraiment pas surprise qu'il monte très haut dans la méta. En plus, pour l'avoir pas mal affronté en ce début de version pour lui, je trouve que c'est très méta ce Codex V9. Il fait beaucoup beaucoup de choses très bien et à mon avis, il va faire une arrivée transcendante et d'une lueur dorée, il va émerger dans la méta, je pense, assez fortement. Ah oui, Allez, absolument, ça c'est on passe du coup sur le très penchant bien. chaotique du 41e Yes. millénaire. Avec, alors je pense qu'on peut, on peut commencer par le Le gros SMC. salage. Tu veux le SMC? Ah, tu préférais commencer par la Ah, le Death gros salage de la Death Guard qui est, à mon Guard? sens, Ouais. pas hyper cohérent. Bah, d'ailleurs, tu vois, quand tu opposes en Non. fait le buff C'est des bizarre. custos et le salage de la Death Guard, bon. C'est assez incompréhensible, effectivement. En gros, on sent bien que Game Workshop a voulu nerfer le build Terminus Est, qui réside sur une marée de 80 pox, avec soutenu par des unités d'élite. Tout ça mené par Typhus et en général un perso qui est le full blast spawn, qui du coup a pris 15 points, et ça je trouve que c'est incompréhensible en fin de compte, parce que ce perso, je trouve, donne l'ADN de la Death Guard, à savoir que quand tu charges de la Death Guard, bah tu n'as pas chargé en fait. Et je trouve que c'est presque iconique de la Death Guard, donc je comprends pas trop ce up sur ce personnage qui me semble un peu auto-include dans l'armée, mais parce que la macro de la Death Guard joue là-dessus. Voilà, des listes Terminus S pardon, prennent environ entre 80 et 100 points. C'est énorme, c'est un pack de pox en moins. C'est 20 figurines en moins. Bon, je trouve pas que c'était des builds absolument affolants dans la méta. Ça a fait quelques résultats sans doute. Mais en tout cas, ça avait pas l'air d'être un espèce de cancer dans la méta. Donc je comprends pas cette baisse assez violente. Et au final, ils ont baissé donc les coûts en points de certaines unités, notamment le Plague Burst et les Méphitiques. Ces deux entrées mécanisées sont. Bon, les baisses sont bienvenues, hein, clairement. Maintenant, ça va orienter vers un style de jeu mécanisé. Et bah, ça semble pas être le plus optimisé à l'égard des scénarios qu'on nous propose désormais. Voilà. Bon, globalement, je trouve que c'est embêtant. Parce que si on veut jouer des chars dans une armée un peu infanterie, pour profiter de la baisse en points des chars, mais compensée par le up de l'infanterie. Ben, en fin de compte, il va se passer quoi? On va plus pouvoir buffer nos chars avec des Plague Company orientés mécanisés et buffer notre infanterie avec Enclume de Mortarion, par exemple. Donc je trouve que c'est sévère comme up sur la Death Guard. C'est à mon sens pas mérité et je trouve qu'en plus ça va réduire le spectre des listes jouables. Donc en fait, ça va appauvrir le codex et je trouve ça vraiment pas normal d'avoir pété le codex comme ça. Donc bon, c'est dommage en tout Ouais. cas, voilà. Les Chaos Space Marines. Ouais, alors les cadeaux Space Marine, en gros, eux, ils ont quelques baisses intéressantes à travers le SMC de base et à travers les Warp Talons et des Oblites. C'est clairement des unités qui vont coûter moins cher pour le SMC, donc ça va faire du super OP moins cher, c'est toujours bon à prendre. Maintenant, il y a toujours ce problème de 1 PV qui fait qu'on a des Space Marines qui sont pas vraiment des Space Marines en fait dans la méta actuelle. C'est un peu dommage, c'est vrai que c'est un peu incompréhensible qu'ils mettent pas ça à jour, parce que bon, tout le monde comprend bien que des Space Marines à 2 PV c'est devenu la norme, donc je trouve ça un peu curieux de ne pas le mettre à jour. Ouais, surtout Surtout que ça aurait été le moment. ils avaient et Ça puis aurait été. même j'ai envie de te dire je trouve que la Data Slate s'y prêtait vraiment très bien parce que Complètement. autant le CA a pas vocation à changer des règles
d'unités, autant l'outil qu'a été le Data Slate était vraiment adapté à ça, quoi. Ils ont rajouté Complètement. Ça le sera mot très Keclor. compliqué de les équilibrer en termes de points et en termes de PV juste en leur rajoutant un PV, parce que par exemple, ça nous donnerait des combos quand même assez infâmes, genre des Terminators de Slaanesh qui tirent deux fois en ayant 3 PV. Tout ça, c'est des choses qui sont amenées à disparaître pour bénéficier de cette résilience-là, tu vois. Donc ça Ouais, peut être. c'est vrai aussi. Maintenant, t'as pas cette mécanique de discipline de bolter, t'as pas cette transhumane. Bon, on verra. En tout cas, de toute façon, on suppute. Hein, mais là, clairement, le SM est aujourd'hui un Space Marine un peu old school. Et en fait, on a ce souci de résistance. Maintenant, il baisse en points, donc ça va dans le bon sens. Pour ce qui est des Warp Talons et des Oblites, bah, c'est quand même intéressant parce que ce sont des unités qui ont un impact pas mal. Les Warp Talons, je crois qu'on est à 100 points les 5 maintenant. Ouais, c'est Et ça. ben, c'est typiquement le genre d'unité qui pourrait faire des actions en mode briseur de ligne et en faisant aussi l'action qui permet enfin, de faire une action dans la zone de déploiement adverse pour scorer des points. Ça m'apparaît comme une unité de scoring intéressante et qui en plus potentiellement a 2 PV, une invue, assez résistante et se débrouille au corps à corps. Donc voilà, ça peut être une unité un petit peu. Qui fait un petit peu tout, donc leur baisse est bienvenue. Voilà, je trouve ça pas mal. Et puis il y a leur secondaire également qui gagne un intérêt. Donc voilà, c'est des ups sympas. Clairement, il n'y a pas de up en points dans le SMC, donc sauf évidemment les Volki, tout ce genre de choses, mais globalement, on reste sur quelque chose d'assez commun. Donc voilà, c'est pas mal. Voilà, c'est bien pour le SMC. Maintenant, clairement, ça n'a pas la saveur qu'on aimerait qu'il ait, quoi. Bien sûr. On a les oblitérateurs qui ont perdu 10 points et le Lord of Skull qui a pris 15 points. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié le Lord of Skull, effectivement. Bon, Bon, c'est un bah. up cohérent, parce que c'est vrai qu'en jouer un, qui va tout relancer, les touches, les blesses, bon, c'est assez fort maintenant. Bon. Bon, après, on le voyait pas, donc On le est-ce que voyait déjà ce pas, up ouais. était. Ouais, voilà. En WTC, en tout cas, il n'est pas manœuvrable, etc. Donc, C'est le problème, ouais, effectivement. Pour rester dans le chaos, bah, il nous reste les démons. Il nous reste les démons, les Thousand Sun. Bah écoute, les Thousand Sun, on peut faire rapidement. En Ouais. gros, il y a un up sur le Volkite uniquement, à travers le Forge World. C'est cohérent, je trouve, parce que c'est une armée que moi j'aime beaucoup en termes d'équilibrage. Je trouve que c'est une armée qui est chouette et qui est en plus très sympa à jouer. Donc il n'y a pas de up, il n'y a pas de baisse, il n'y a pas de. Voilà, ça reste comme avant. Petit nerf sur le Volkite, mais je pense que le TS va bien vivre les mécaniques de nouveaux scénars. Donc en fait, je pense que c'est un up indirect par la manière de scorer, etc. En ayant des unités qui peuvent se téléporter, qui sont super OP toutes quasiment, à travers les totors et les rubriques, qui peuvent se TP avec le voile, qui peuvent se TP avec le sort, qui peuvent être mis en fait. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses à faire avec le TS. Donc voilà, c'est un codex qui bouge pas trop, c'est la marque d'un codex équilibré, donc Ouais. c'est plutôt une bonne chose pour les Thousand Sun. Et puis il reste les démons. Bah, les démons, c'est une armée qu'on voit de moins en moins. Les baisses sont sur des unités pas jouées. La seule unité un peu jouée, c'était le Lord of Change, un peu invincible avec tous les combos défensifs possibles. Lui prend un peu, les Nurlings aussi. Bon, je peux pas un peu, c'est un peu pareil que pour l'Astra. J'ai pas vraiment la sensation qu'il y avait besoin de payer des choses, éventuellement de baisser certains trucs. Bon, ça a été fait, le buveur de sang baisse, il y a quelques unités qui baissent, les chiens de corne, les seekers de Slaanesh, voilà, mais ça reste quand même un peu anecdotique. Pas de quoi rendre le démon, de voir revenir le démon. Et en plus, son secondaire qu'ils ont gagné n'est pas terrible, donc malheureusement, c'est pas une bonne opération pour le démon, ce chapter approuve. C'est pas un peu une bonne opération. On pouvait en espérer mieux et au final, ça va pas changer de choses. Yes, je pense qu'on a Je fait le crois tour des qu'on arrive à. factions chaotiques. Ouais, Vas-y. il me semble aussi qu'on a terminé. Ouais. Eh ben écoute, on va passer sur les factions Xenos. On va passer sur les factions Ouais. Xenos et on va commencer par le dessalage du codex Le Nécron. dessin. Ouais, dessalage du codex Ah, Nécron. que de bonnes nouvelles. Ouais, qui pour le coup, je pense, a été vraiment le plus gros bénéficiaire de ce CA en termes de coûts en points, de manière générale, et même au niveau des secondaires, hein. On en a parlé dans le podcast précédent, mais la multitude d'objectifs sécures sur toute une armée, ça semble assez
pertinent en termes de méta. Et là, en plus, on se retrouve avec un codex qui baisse beaucoup en points et sur des unités qui ne sont pas anecdotiques. Non, clairement. Ouais. Effectivement, c'est une liste non exhaustive, mais il y a globalement les dépeceurs qui baissent, les scortecs, les ophidianes, les destroyers, qui soient locust lourd ou locust tout simple. Le roi silencieux baisse. On a aussi tous les super lourds qui baissent, mais ça, j'ai envie de dire, c'est plus anecdotique parce que je pense pas qu'on les reverra. Parce que c'est des unités qui ne profitent pas des dynasties et qui en plus n'ont pas de mécanique pour résister, ils n'ont pas le blindage quantique, ils n'ont pas de réduction de dégâts, c'est quand même assez compliqué de jouer des unités comme ça dans la méta. Mais en tout cas, ouais, a priori, un écran aujourd'hui a gagné entre 90 et 100 points, en plus de conserver les acquis de la data slate, donc on a clairement quelque chose de vraiment sérieux là qui commence à se mettre en place. On parlait dans la revue du Silat Serlist que le Necron n'était pas totalement abouti et qu'on risquait de le revoir. Ben ouais, on va le revoir et en plus avec des outils supplémentaires. Donc effectivement, tout ça combiné, comme tu le disais, avec une appétence assez sérieuse à scorer les scénarios, parce que quand on a toute son armée super OP, et ben on termine les actions plus vite, on garde le scoring. Enfin, voilà. Et aujourd'hui, en plus, on a des unités moins chères, donc l'impact, un meilleur impact. Enfin, voilà. Je pense que c'est des très très grands gagnants du CA et probablement qu'on va sans doute les voir pointer le bout de leur nez sur des podiums ou des choses comme ça, je pense. Ouais, non négligeable. Donc les dépeceurs qui perdent 3 points, je trouve ça assez énorme. Ça veut dire que le pack de 20 va perdre 60 points. C'est énorme. Un pack de, le pack de 20 gagne 60 points. Si vous jouiez 40 Flayed Wine, vous gagnez 120 points chez votre armée. Et c'est pas une unité qui est déconnante en vérité, surtout quand elle est objectif sécure. Il y a le petit combo effectivement avec l'avion, bah, qui d'ailleurs lui aussi perd en points. Mais ça reste une bonne unité. Et même elle a déjà été utilisée en mode petites unités satellites, bah, notamment pour faire les actions. Hein, mais parce qu'elles ont la capacité de FEP. Donc bah, quand on joue 3 x 5. C'est cool aussi d'avoir ce gain en points. Bon, les destroyers, moins 5 points. Alors, moi, pour moi, les Scorpers destroyers et les Ophidiennes destroyers, moi, je les mets toujours en comparaison avec les spectres classiques. Moi, j'aime bien les Scorpers, les Scorpers. Ouais. Parce qu'en fait, c'est pas les mêmes cibles. Ils ont un strat pour réduire la blesse et surtout, tu as accès à de la force élevée, en fait. Ouais, exactement. Tu as accès à de la force 8, dégâts 3, et ça, c'est quand même pas négligeable en Nécron. Ouais. Et si tu commences, bon, je joue mes Nécrons un peu plus amicales, mais quand tu joues ce pack en Ovoc, si tu synergises un petit peu tout, tu as quand même une unité qui défouraille, quoi. Et moi, j'aime beaucoup cette unité. Je trouve qu'aujourd'hui, justement, il y a une comparaison avec les spectres qui peut se faire. Et ça peut être intéressant, pareil, les Ophidianes qui baissent, on les joue par 3, les trucs FEP, ils font une action, de mémoire, je suis quasiment certaine, ils peuvent retourner en FEP et refaire une action plus tard. Donc il y a vraiment une appétence au scoring assez aisée, en plus avec des secondaires Nécrons qui sont quand même ce qu'ils sont. Je pense que le Nécron va avoir un bon petit coup de boost, et pour le coup c'est assez heureux. C'est assez heureux parce qu'un codex V9 qui n'a pas la peine, c'est dommage. Donc clairement, c'est bien qu'il soit revalorisé de cette manière-là. Ouais, je suis assez d'accord. On continue sur les Xenos. Alors, on a fait le dessalage massif. Je vous propose qu'on fasse le salage instantané de la faction Orc qui ont pris cher. Napo, je sens que tu en as sous la semelle sur les Orcs. Je te laisse commenter. Je suis très content de ces nerfs. Enfin, je pense que ça s'entend. L'orque a pris ce qu'il méritait, hein, en toute objectivité. Le boss sur Squigozor, qui était l'un des trucs les plus concerts de ce codex, a pris 30 points quand même. 30 points, c'est vraiment gigantesque sur ce truc qui était dans absolument toutes les listes. On a le nommé également qui a pris 15 points. Bon, ça, pourquoi pas, ça se prend, je le vois pas des masses. Commando qui ont pris. C'est quand même assez significatif pour la liste qui jouait beaucoup de commandos. On a les Meganobs qui, par contre, eux, perdent 5 points. Ça, c'est une bonne nouvelle. On les voyait pas. Ça permettra de renouveler la chose. Est-ce que ce serait une raison suffisante pour les sortir? Je ne sais pas.
mais ça peut être intéressant. Le Scrapjet qui prend 10 points, ça s'est entièrement mérité, au même titre que le Squid Buggy qui prend 20 points. Donc là, on est déjà sur une grosse hausse hein, pour les listes orcs, qui, rappelez-vous, jouent en général 3 Scrapjet et 3 Squid Buggy. Sans parler du boss, donc là, on est quand même sur Space 90 points Mart, rien qu'avec les Spawn. buggy, ouais. Voilà, exactement. On est sur quand même 120 points rien qu'avec ces trois entrées-là. Ensuite, on a le Battle Wagon qui perd 15 points. Bon, 105 points pour un Battle Wagon, pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Je trouve pas ça excessivement fort, mais on a pas une synergie incroyable au niveau du reste de l'armée. C'est bien de buffer cette unité qui était un peu oubliée. Le Bone Breaker qui passe aussi, qui prend un moins 15. Fajgits qui prennent un moins 2. Le Gut Wagon qui prend un moins 15 également. Ça, c'est. C'est inattendu, mais pourquoi pas. Le Killrig qui prend évidemment 20 points, bon bah ça c'est assez normal, hein. 190 points c'était un peu léger pour quelque chose avec autant de PV et avec une résidence pareille qui faisait si mal. C'est intéressant de lui donner plus de points. Le Killakan qui perd 5 points aussi. Le Killakan qui perd 5 points, c'est un changement qui est honnête, hein. On les voyait pas trop, pareil. Il faut toujours considérer que toutes ces unités qu'on ne voit pas énormément sur table. Bah les voir se faire buffer, c'est toujours sympathique. Les mecs guns qui que eux on voyait un peu plus perdre 5 points pour passer à 40, c'est pas choquant. Ouais, mais en Mais fait, là, la guerre. les mecs guns, l'option qui était jouable, enfin qui était jouée, le méga canon custom, et en fait, lui, il reste à 45. En fait, c'est les autres variantes qui ont baissé. Et clairement, je pense qu'on continuera à jouer les méga éclateurs Oui, custom plus de 5 points. j'arrive pas à voir l'intérêt en fait des autres variantes quelque part, donc c'est un petit peu dommage, mais pourquoi pas. Ça peut être utile pour des parties un peu moins compétitives, mais d'un point de vue assez compétitif, je pense que là on est surtout sur un gros nerf plus qu'un buff de certaines unités. On verra plus les nerfs en tout cas que les buffs, et je pense que pour ce qui est spécifiquement du Scrapjet, Squid Buggy, Killrig et des Scribosaures, c'est totalement mérité. Ouais, alors il faut savoir qu'en orque, on n'a pas encore beaucoup parlé, nous, sur la chaîne. On y reviendra pendant le Top Player Podcast dédié aux orques avec Mogor. Il y a une grosse liste qui est en train d'émerger et qui n'était pas là il y a encore quelques semaines, quelques mois, notamment Big Four. C'est l'armée de renom orque du supplément Octarius qui est excessivement forte et qui, pour le coup, est basée beaucoup plus sur les motos et les coptères. Et du coup, qui ne subit, elle, pour le coup, pas de nerf, hormis l'augmentation en points des buggy, mais qui ne reposait pas sur du Squeegosaur ni du Killrig. Donc la liste va prendre 60 points, peut-être 90, mais globalement, elle est super efficace et on aura l'occasion de vous la montrer, je l'espère, sur la chaîne, parce que la liste est vraiment vraiment cool. En tout état de cause, ça va, je pense, ce nerf-là va pas valoriser. C'est un petit peu ça, moi, que je regrette sur l'ensemble des changements en points, c'est que les changements en points ne valorisent pas forcément les unités moins jouées, mais va juste réduire la densité des armées qui étaient au top. Pour moi, le fait de perdre 120 points sur la liste orc, ça va pas changer le build en lui-même, ça va juste réduire un petit peu sa densité. C'est-à-dire qu'on aura moins d'unités, mais ça restera quand même ces unités-là qu'on verra. Et c'est un petit peu ce que je regrette dans l'équilibrage de manière générale, parce que ça permet pas à certaines unités de sortir du lot. Et je pense que c'est le cas pour l'Orc, c'est le cas pour le Space Marine, c'est le cas pour le GK, c'est le cas pour les unités qui ont subi des changements importants. C'est peut-être moins le cas pour les sœurs de bataille, pour le coup. C'est peut-être elles qui vont, pour le coup, peut-être le plus changer d'axe, mais j'ai pas l'impression que ça va donner une seconde nature au codex. Ça reste mon avis. Après, pour les orques, je pense que vu la richesse du codex, les joueurs vont se retourner. Clairement, on parlait des chariots qui ont perdu tous 15 points. Bah, ça la remet en comparaison avec le Killrig, alors qu'avant, il n'y avait pas de comparaison. C'est ça. Donc, en fait, je ne serais pas du tout surprise qu'on revoie des chariots Krazos arriver, parce que ça, c'est quand même assez désagréable. Après, c'est des gros châssis. Mais de mémoire, c'est quelque chose qui tape à 6 attaques, force 9, PA moins 2 ou moins 3, dégâts 2, auquel vous rajoutez des 6 attaques. Donc en fait, ça peut vraiment crabouiller, quoi. Donc ça va être rigolo. En plus, pour le coup, bah, c'est des figurines que la plupart des joueurs historiques orcs avaient. Donc en fait, ça va assez dans le bon sens, dans le cadre de la rejouabilité. Moi, c'était un peu la doléance que j'avais en tant que. Je joue un peu orc et j'ai beaucoup d'anciennes références. Et en fait, quand le codex orc est arrivé, j'ai l'impression qu'on nous poussait à jouer des squigs
et à racheter des nouvelles figurines parce que tout le reste n'était pas bon en comparaison. Bah là, c'est bien, ça se rééquilibre un peu au sein du codex et je trouve ça cool en fait qu'ils aient fait ça. J'aurais bien aimé un nerf en point sur les boys de base par rapport aux Snaga pour qu'une comparaison entre aussi avec ces unités-là. Voilà, bon, en tout cas, moi je suis pas inquiet, je pense que l'orc va se réinventer. En plus, l'orc a des possibilités de secondaire assez faciles aussi. Voilà, je pense que ça se fera sans trop de problèmes. Maintenant, effectivement, les listes un petit peu débiles qu'on avait pu voir se sont fait sacrément calmer. Donc, nécessairement, ça va impacter le jeu orc, c'est évident. Je vous propose qu'on continue sur les Xenos, et puis bah, évidemment on a aimé, donc on va parler Tyranides, Bien bien qu'il sûr. n'y ait pas non plus énormément de changements côté Tyranides. Alors, en fait, il y a eu beaucoup de sel sur le Tyranide parce qu'effectivement, le Stampede est très très bon. Peut-être trop d'ailleurs. Mais en fait, c'était évident que je rappelle que le Stampede est sorti le 17 décembre. On tourne cette vidéo le 24 janvier. Ça fait un petit peu plus d'un mois que le supplément est sorti. C'est évident que ça n'allait pas être pris en compte. Je me fais pas d'illusions, et c'est même plutôt un vœu pieux en fait, que la data slate de février corrigera probablement les abus du Stampede. Donc en fait, pour avoir une lecture juste du Tyranide, il faut imaginer un Tyranide sans Stampede, donc un Tyranide supplément Léviathan. Et en fait, quand on regarde de ce spectre-là, ben en fait, le changement est logique en fait. On a un nerf léger des Headguards, et j'entends des gens qui disent que c'est pas assez, mais en fait, c'est largement suffisant. Faut savoir que les builds à base de Headguard, joués par 12 ou 18, ne prennent pas la table. Donc en fait, les secondaires étaient faits par quoi? Par des lictors qui fait pêcher l'adversaire pour faire des scramblers et pour faire les engager sur tous les fronts. Ça ne marche plus aujourd'hui. Donc déjà, rien que ça, le nerf des Headguards à 5 points est presque anecdotique, certes, mais par contre, le combo, la macro de jeu de cette liste est détruite. Donc nécessairement, le nerf pour moi, le plus gros nerf du CA sur le Tyranide, c'est cette. Je me souviens que dans la top méta, top player méta Tyranide, je parlais des avantages du Tyranide comme étant une facilité à scorer. Bah aujourd'hui, ce n'est plus le cas. En plus, on n'est pas aidé par le secondaire Tyranide qui est franchement pas terrible. Donc on va se retrouver avec du Tyranide qui va galérer à faire du. Devoir se reposer sur de la létalité. Et malheureusement, la létalité moyenne du Tyranide, hormis les Heavyguards, et encore les Heavyguards aujourd'hui, quand vous affrontez des codex qui mettent des transhumanes, des moins 1 la touche, qui réduisent les dégâts de 1, c'est plus la solution à tout. Donc, au regard de ça, on se rend compte que le Tyranide, voilà, si en fait, il faut vraiment exclure le Stampede de cette analyse-là, sinon on n'a pas une analyse cohérente. Le nerf viendra en son temps, mais là c'était trop tôt. Donc là, en fait, on a une baisse de l'exocrine, qui est en fait logique. L'exocrine était très forte en début de version, parce que tout simplement, elle faisait des touches explosives sur du 6, du 5+. Aujourd'hui, c'est plus possible, c'est sur du 6. Donc, nécessairement, l'unité a perdu environ 16% de létalité. Elle perd à peu près un peu plus de 15% de son coût en points, c'est pas déconnant. Le Tyrannophex est une unité intéressante, mais qui pêche en fait par deux désavantages. Déjà une PA assez faible, le fait de rester stationnaire et un dommage D3. Tout ça mis bout à bout fait que ça rend pas l'unité hyper sexy dans une logique dynamique. Et en fait, on se retrouve à jouer un peu une liste un peu attentive. Et c'est pas ça qui vous fait gagner. Donc, c'est des unités qui sont pas hyper méta en fin de compte. Et la Rospex qui est devenue correcte avec le Stampede. Mais CF, ce qu'on a dit au début. Du coup, la Rospex perd 15 points également. C'est clairement pas un monstre qui était sexy sur le papier. Même avec le Stampede, je trouve pas qu'il soit débile à 160, à 155 points. Parce que tout simplement, les trois monstres qu'on a cités ont une concurrence dans le codex et notamment vis-à-vis du Forge World. Donc en fait, qui baisse, c'est plutôt logique. Voilà. Donc en fait, voilà pour le Tyranide. Il faut vraiment sortir de. Ok, le Tyranide, top codex, c'est le Stampede. Mais là, en fait, ce n'est pas ce que le Game Workshop a corrigé. En fait, le Game Workshop a lissé le supplément Léviathan, finalement. Et au final, le lissage est plutôt au désavantage du Tyranide. Parce que le Helgard, qui est clairement la meilleure unité du jeu à l'époque du supplément Léviathan, bah, prend son petit coup en points que j'estime légitime. En revanche, il évolue désormais dans une méta qui est moins favorable. Et surtout, le scoring Tyranide qui était très aisé,
bah, ne va plus du tout être très aisé. Il va devenir au mieux normal, voire parfois un peu compliqué. Donc tout ça mis bout à bout, c'est pas un avantage pour le Tyranide. Et je pense que la data sled de février viendra saupoudrer Corriger, de sel de Stampede. Voilà. je suis assez d'accord. On a fait le tour, on a fait le tour. Il Qu'est-ce reste qui nous reste comme le faction Craft en World Xeno? vite fait. Il reste le Craft World très rapidement. Globalement, pas de gros changements. Quelques changements sur le véhicule soutien Arlequin qui perd 10 points. On a également les armes de support Craftworld qui augmentent un peu. C'était quand même de l'anti-char Orlos. Donc on revient sur cet Orlos qui est un petit peu sanctionné. Maintenant, bon, de toute façon, le Codex va arriver. Je pense qu'on peut passer assez rapidement dessus. Ouais. Le calvaire des joueurs Craftworld arrive bientôt. Le calvaire des autres joueurs arrive. Ouais. Donc. C'est clair. Eh ben, on a fait le tour, je pense. Je crois qu'on a fait le tour, ouais, Ouais, on on a a fait fait le le tour. tour. Je vais vous donner le mot de la fin. Je vais commencer par toi, Napo. Comment toi tu vois ces changements de coups en points, c'est bienvenu, c'est cohérent, ça ne l'est pas, d'après toi, un petit peu ton avis. Bah, pour être honnête, je pense que la plupart des changements sont assez justifiés, mais restent en décalage de nos attentes. On s'attendait peut-être à des nerfs un peu plus lourds ou d'autres un petit peu plus légers. On s'attendait aussi à d'autres choses. Là, au final, est-ce que nos attentes sont satisfaites par ce CA en termes d'objectifs et en termes de nouvelles missions, pourquoi pas, mais en termes de coûts en points, un petit peu moins peut-être. Je Euh, pense que ça reste intéressant, je les trouve. deux, je pense qu'au final, il faut garder à l'esprit que les deux doivent être mis en perspective. L'un ne va pas sans l'autre. Je pense que ce réajustement de coût en points, c'est un réajustement numérique sur une espèce de matrice de calcul. Et je pense que le réajustement des scénarios et des secondaires, lui, va plus dans un sens de gameplay et d'utilisation d'un codex. Donc je pense que les deux sont quand même à mettre en perspective. Et toi, Aimé, de ton côté? C'est sûr. Moi, je trouve qu'il y a un problème déjà dans la structure de ces changements, que ce soit la data sled ou le CA. Je trouve que le CA, une échéance d'une fois par an, devrait se concentrer sur renouveler le jeu, c'est-à-dire refaire des scénarios, changer des secondaires, voilà, pour qu'on parte sur un nouveau cycle. Et je trouve que partir sur des modifications de coût en points sur un document imprimé peut-être 2 mois à l'avance, nécessairement, il n'est pas à jour en fait quand il sort. Et je trouve que Game Workshop devrait proposer des sortes de mises à jour du jeu au travers le Chapter Approve sur les secondaires, le scénario, etc. Et qui se concentre sur la data slate tous les 3 mois pour mettre à jour justement les coûts en points de manière gratuite. Et je trouve que ça serait mieux et plus adapté. J'espère qu'ils vont tendre vers ça. Parce que là, en fait, on se bloque en fait avec la version papier. C'est-à-dire que la version papier a forcément un délai. Et en fait, clairement, il y a eu beaucoup de critiques qui disent que ce chapter approve arrive 6 mois trop tard. C'est en partie vrai, mais en fait, c'est inhérent au système de production de celui-ci. Donc je pense qu'il devrait vraiment tendre vers ça, un changement de jeu global une fois par an, et des data slates pour corriger entre guillemets, les abus, les armées trop fortes et les armées trop faibles au travers des data slates. J'espère Ok. qu'on tendra vers ça, Eh on ben verra bien. que Games Workshop t'entende. En tout cas, je vous remercie à Amen. tous les deux de votre intervention. C'est encore une fois très très cool de vous avoir. J'espère, les amis, que ce podcast vous a plu. Pensez à claquer du pouce bleu, du com, du partage, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Tous les liens d'ailleurs, sont en description. Et je vous dis, les amis, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos sur Creative Wargame. Bonsoir à tous. Et ciao, ciao.